Gros malaise dans Quotidien quand Bichente Lizarazu affirme qu'il n'y a pas d'homophobie dans les vestiaires de foot. Bichente Lizarazu est-il aussi doué pour le ballon rond que pour la langue de bois? Sur Twitter, nombre d'internautes lui reprochent d'avoir menti en niant l'existence de propos homophobes dans les vestiaires de football. Le passage de Bichente Lizarazu sur le plateau de Quotidien, ce jeudi 19 novembre, aura suscité de nombreuses réactions. Ils sont en effet très nombreux à reprocher à l'ancien international français d'avoir menti lorsqu'a été évoqué le sujet de l'homophobie dans les vestiaires du football. Le compagnon de Claire Kaye maniait l'existence d'un tel fléau. De quoi surprendre Elisabeth Moreno, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances qui lâche un gros ouh et rappeler que PD était l'insulte la plus courante dans les stades. Sur Twitter, Bichente Lizarazu s'est fait tacler suite à sa déclaration. Bichente Lizarazu qui n'a jamais entendu de propos homophobes dans les vestiaires. Gros lol. Hashtag quotidien. Même la ministre Moreno ne peut s'empêcher de rire. Gros malaise dans Quotidien quand Bichente Lizarazu ose dire devant Elisabeth Moreno qu'il n'y a pas d'homophobie dans les vestiaires. J'aime cette ministre qui réagit à la mythomanie de Bichente Lizarazu qui protège les siens. Belle habileté à manier la langue de bois. Il n'y a pas d'homophobie dans les vestiaires de foot. Bichente Lizarazu affirme n'avoir jamais entendu de propos homophobes ou misogynes dans un vestiaire de foot. Encore un qui déçoit. Le mytho du jour. Bichente Lizarazu dans @officiel qui dit non. J'ai jamais entendu la moindre insulte homophobe dans les vestiaires. Monsieur, on ne vous croit pas une seule seconde, peut-on lire ici et là sur le célèbre réseau social. Louis de Funès, sa petite fille fait des révélations dans Quotidien. Volume 90% Press Shift Question Mark To Access A List Of Keyboard Shortcuts Raccourci Clavier Enable et Disable de Play Pause Space Augmenter le volume Diminuer le volume Avancer Reculer Sous-titre Activer Désactiver Plein Écran Sortir du mode Plein Écran Désactiver le son Activer le son Avancer pour 109 Prochaine vidéo Jade, la fille de Johnny dévoile un nouveau look. Les internautes n'aiment pas du tout. Minuit 57 Facebook Twitter Courriel LinkedIn Liant https://www.public.fr/news/gros-malaise dans Quotidien quand Bichente Lizarazu affirme qu'il n'y a pas d'homophobie dans les vestiaires de foot 1659344 point d'interrogation JV source égale que copier intégré inférieur à IFRAM SRC égale /players/4if6n01 di de 9 mayotchemti.html ydth égale 640 height égale 360 frame bordé égale 0 scrolling égale auto visage aux yeux complètement fermés, slash iframe supérieur à copier automatique 180p 1080p 720p 480p 180 live 002.000002.3902.38 plus de vidéos 002.57 Jade, la fille de Johnny dévoile un nouveau look, les internautes n'aiment pas du tout. 012.07 L'héritier de Karl Lagerfeld, Baptiste J. Abiconi, annonce qu'il a adopté. 002.59 Le dernier post Instagram de Jade Hallyday ne plaît pas à l'unanimité à ses abonnés. 012.05 Renault, une photo du chanteur refait surface et crée le buzz. 012.04 Sylvie Tellier, son dernier post Instagram ne plaît pas aux internautes. 002.38 Découvrez le face-à-face entre Jean-Pascal Lacoste et Sylvie Tellier. 012.04 Jennifer dévoile sa maison en Corse. 002.58 Jennifer dévoile enfin sa surprise. Fermé Jean Puy de Bas sponsorisé contenu sélectionné foie gras gourmet.com foie gras artisanaux. Tous les expatriés français se fournissent sur ce site foie gras gourmet.com sponsorisé contenu sélectionné annulaire traîne de sketcher Jean-Jacques Goldman a tout plaqué. Ses proches nous expliquent enfin la véritable raison de son exil traîne de sketcher sponsorisé contenu sélectionné annulaire isolation solidaire confinement à Dallas. Votre région paye l'isolation de votre maison. Isolation solidaire sponsorisé contenu sélectionné annulé sponsorisé contenu sélectionné 34 chez 30 célébrités dont on ne se serait jamais douté qu'elles étaient homosexuelles. Point d'exclamation la 12e surprendra toutes les femmes.
34 chez sponsorisé contenu sélectionné annule Easy Voyage et vous serez choqué en découvrant avec Kéan Barthès est en couple au jour de Easy Voyage sponsorisé contenu sélectionné annule Air Deliberate la mariée interrompt la cérémonie et dévoile le vrai visage de son mari Deliberate sponsorisé contenu sélectionné annulé sponsorisé contenu sélectionné